On en était où? Ah oui, on en était là. On avait juste avancé en courant vers la cabane la dernière fois. Juste pour voir un petit peu ce qu'il y avait. Mais du coup, on C'est vrai avait qu'on rien. avait été vachement courageux quand même à la fin. Enfin, j'ai. Pas plus que le reste de la. Bon, déjà, on sait que le Wendigo il vient pas ici. Comme tu m'as dit dans le dernier épisode, la cabane c'est safe. Oui! Je l'ai revu ça, la cabane c'est bien safe. Il n'y a vraiment pas de souci avec ça. En gros, y a un truc écrit en gros, on va surtout lire ça et dire de rester près des feux et des indoors. C'est quoi? C'est les portes? C'est dans les portes? C'est à l'intérieur? Dans les maisons? Je sais pas. Enfin bref, faut être proche des feux et sûrement proche de portes ou de trucs qui y ressemblent. Je vous l'ai mis bien fort là. D'accord, c'est vraiment approximatif en la trad. Hein. Bah écoute, ouais, c'est l'intérieur, c'est ça. Indoors, c'est l'intérieur, c'est bien ça. J'ai confirmation de notre joker. Super. Putain, il m'a fait peur avec son audio, l'autre. Ah. Quand ça a couru là, j'ai cru que ça courait derrière moi. Attends, on a pas tout visité dans, Oui, ouais, ça. J'ai tout visité, ouais. Ah, t'as tout visité même là? Ouais. Bah, la porte est fermée, t'avais visité ça? Oui, bon, c'est l'extérieur, d'accord, mais. Ouais. J'ai peur. Yo, monsieur Wendigo? Wendy! Wendy! Go! Peut-être. Je sais pas où il est, laisse-moi rentrer. Je sais pas où il est, du coup, dans le doute, laisse-moi rentrer là. On fait quoi? On l'attente, on tente le beau jeu, on court? Bah déjà, dans quelle direction faut aller là? Du coup, il y a beaucoup de brume et tout. En face à droite. En face à droite? Là où il y a les petits piquets, là, à droite, je pense. Il faut partir tout de suite. C'est pas de là où on vient, ça? Non, on vient de la gauche. Enfin, je crois. Vas-y, je te non, on suis, vient de alors. La gauche. Vas-y. Oui, mais si tu me Vas-y, suis en premier, ça veut dire que s'il m'arrive un truc, c'est moi en premier qui subis. On va vraiment débattre pendant une heure, là? Mais on l'a fait, le premier épisode, déjà! Allez. Allez, t'avances. J'ai peur, Ors. Ça va, y a pas Wendy. Mais je le sens. De toute façon, reste près des feux et de l'intérieur. Regarde, il y a un feu là-bas, vas-y. Pourquoi reste près des feux? Mais parce que c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, il y a à peine 10 secondes. Non mais t'es sûr? Oui, qu'on risque rien. Il y a marqué rester près des feux. Oui, il y a marqué on risque rien près des feux et dans les portes, dans les maisons. D'accord. Non mais parce que ouais, faut vraiment pas que ce soit de l'approximatif là. Donc en fait, c'est un peu un slender, il va falloir trouver des... Oh là là. Du coup, on va au prochain spot de lumière. Ouais, mais surtout, où on doit sortir? Au fond, à droite, il y a de la lumière. Moi, je suis partie là, mais à droite, on pouvait y aller là. Là, on regarde. En face, à droite. Putain, les gars, j'ai peur. Alors, c'était à gauche, mais du coup, j'ai vu du feu, et vu que j'ai paniqué, je me suis dit là, on est safe. Mais par contre, tu vois Wendy quelque part, toi, ou pas? Non, Wendy, je le vois pas pour le moment. Ok. Bon, bah, mais il doit être en face, hein, je pense, hein. Si on l'a pas vu là... Vas-y, je te follow, je te suis, on y va. Je sais que t'as été courageux et que t'as été très fort. Ça sert à rien de s'arrêter au feu. Mais tu m'as dit qu'on était safe. Il est juste là pour se cacher quand il y a le Wendigo, je pense. Mais là, ça sert à rien. Allez, go. Je te laisse passer devant juste parce que je sais pas du tout où aller, en fait. Le labyrinthe, bah, tu suivais des chemins. Là, je sais plus où je suis, déjà. Putain. Je me sens pas bien. Je pense que je vais faire un malaise d'une minute à l'autre. Je le sens. Tu crois que c'est chez le Wendigo, ça? Bonsoir. Non, c'est trop bas le plafond. Oh là là, non, mais pourquoi? Ah bah bien joué, l'objectif et tout. Hey, on peut pas. On prend un autre Airbnb parce que là... Je trouve que ça craint un peu. Si tu veux mon avis, ouais, c'est passé des choses pas cool, là. Ah bon? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Le Wendigo dehors? Alors... Le feu? Le labyrinthe? Les monstres? Un peu ouais, de tout, quoi. Ah, je peux prendre le portrait.
Ça dit quoi? Ah, il faut lire en plus. Ah bah je oui. regardais juste les images. Hein. C'est Jégolner. Je fais comme quand j'étais gamin et que je lisais des bouquins, hein, je prenais que des BD. Hein. Ça, je regardais les images, mais c'est tout. Ok, ils disent que ce mec a l'air d'être un écrivain. D'accord, tout ça pour ça. Ouais, super. Ouais, incroyable. On peut ouvrir les tiroirs, regarde. C'est fou. Hein. Non, mais la physique de ce jeu est vraiment bien foutue. Hein. Oh! Tout ça pour ça. On va se servir le dîner. Eh, ça sent le mauvais truc, Orsin. Tu veux pas faire un feu? Allume si. La cheminée, je reviens. J'ai des notions. Attends, parce que j'ai joué. Ok, c'est le réveil en fait. Oh là là. Je peux rien ouvrir ici, ok. Mais en vrai, je pense que la maison, elle est juste là. Oh, c'est lock. Attends, non, il va y avoir des trucs. Non, il va y avoir une clé. Ok, on est plus sur la même mécanique qu'avant là, du coup. Ce que j'allais dire, la maison, je pense qu'elle est juste là pour se planquer, non mais. J'en sais rien, ça couine en c'est plus, vraiment le checkpoint, baraque hein. de merde, là. Alors, je sais, le bois, ça travaille, hein, mais là, faut pas non plus déconner. Ça, on l'a fait, je sais plus. Il y a un escalier. Ils connaissent pas EDF? Or, c'est encore là. Bouge pas, bouge pas. Quoi? Heureusement, je te dis bouge pas, hein. Mais t'es où? Mais je suis en dessous, j'entends des marchés, c'est pour ça que je t'ai dit bouge pas. Oui, bah je voulais te rejoindre en haut, moi. Ah, mais tu crois que... Quoi? Ça m'a soufflé dans les oreilles, tu l'as pas entendu? Non, par contre, il y a la maison qui grince un peu, mais ça doit être les rats. Non, les rats, bah dis donc, c'est des gros rats. Hein. Ça m'a soufflé dans l'oreille, Ors. Tu crois qu'on va partir sur un autre jeu? Là, on est sur Phasmo ou quoi? Ah oui, ça, j'avoue. Paul Wilson? Est-ce que vous m'entendez? C'est quoi déjà la touche pour sortir le bâton, ça, là? Ça grince beaucoup. Deux. En gros, c'est 1 et 2, les touches. J'avoue qu'on n'a pas Merci utilisé beaucoup. le bâton. Bah du coup, à mon avis, vu qu'on n'a rien trouvé dans cette maison, soit on est nul, c'est 80% de chance, mais les 20% restants, ça voudrait dire qu'il y a sûrement des trucs à trouver en dehors de cette maison, et cette maison, il faudrait revenir régulièrement pour ouvrir une porte, puis une autre, et avancer comme ça. À mon avis, ça va être le centre... C'est notre histoire. Tu aimes la musique? Faut couper cette vieille musique naze là. Oh, on peut jamais. Oui, c'est moi. Par contre, t'as un petit peu de. Ouais, il y a clairement une température glaciale ici. Hein. Ah ouais? Tu trouves? Ah oui. Mais j'ai vu aussi en fantomatique. Hein. On peut le noter. Bon, du coup, c'est un checkpoint dans tous les cas ici. Donc, on va faire le tour, je pense. Attends, je suis sûr qu'on a oublié des trucs dans la maison. T'avais tenté de l'ouvrir la porte à l'étage ou pas? Oui, elle est lock. Ah, mais toi, t'as vraiment rien tenté, quoi. Toi, t'es mais vraiment derrière. Mais on me souffle dans l'oreille, tu crois que je vais tenter des trucs, Ors? Mais non, je ne tente ouais, rien bon, du on tout. On va dehors, du coup. Eh, on devrait regarder les cadres. Derrière les cadres, des fois, il y a des trucs. Regarde derrière les cadres. Bah, mais t'as pas besoin de moi, hein, pour faire mais des bien choses, sûr que si, on joue ensemble. Oh, putain, ça couine. Je m'en vais. On vient d'où, déjà, par contre? Je t'ai suivi bêtement. De la gauche. Alors, allons à droite. Je croirais vraiment dans un film d'horreur. En plus, il n'y a vraiment pas de feu. Ah si, là-bas. Il y a un feu. Allons vers le feu. Après, je suis pas sûr que ce soit au feu où on va trouver des trucs. Je pense vraiment les feux, c'est vraiment des zones safe, mais c'est pas des objectifs en soi, quoi. Ah ouais? Je pense pas, ouais. Par contre, je pense, hein. Du coup, il y a un petit chemin... je sais même pas où il y a des... Mais quelle connerie! Est-ce que tu veux qu'on se sépare? Non, on se séparera pas! Qui sait, il y aura peut-être des ronces là aussi qui vont pousser entre nous. Oh non, pas... alors là j'espère pas. Ah, moi j'espère. Bah, comme d'habitude. Il faudra qu'elle soit bien longue par contre. Oh regarde, là il y a un truc, tu vois. C'est quoi? Voilà. Alors, I best not touch this thing. Until... Ok, en gros je devrais pas toucher ça tant que je ne sais pas ce que c'est. Alors. T'as vu les trucs utiles, je les comprends. Oui, et d'ailleurs ces trucs là, ça c'est des trucs à la Blair Witch. Hein. Ça, c'est pas mais bon ça. Moi, j'ai envie de les toucher, hein. Ça, c'est les trucs de sorcellerie, ça. Hein. Dans Blair Witch, c'est des sorcières. Qu'on fout, tu sais, ça finit pas bien à la fin. Ah ouais? Ah oui. Bah, je sais pas, j'essaie de toucher, il veut vraiment pas. Hein. Pourquoi on va là? C'est une connerie d'aller ici. Je sais pas, mais en fait, tu vois bien que les trucs à trouver, ils sont pas au niveau des feux, donc ça va être entre les trucs, tu vois, je pense. De toute faut courir, hein, faut voir. Ah Diego, putain là. De sa mère, j'ai Ah, je suis mort. Hein. J'ai pas le temps de retourner au feu, là. Wendy, attrape-la, elle, s'il te plaît.
Elle est meilleure. Il m'a chopé. Faut que vraiment je l'enlève d'un côté. Ça me fait trop peur. Ok, c'est la même chose qu'il y avait marqué avant. Faut vraiment qu'on trouve des infos. Ah, un truc ça pour va être... péter ou peut-être c'est des bouquins. Peut-être c'est des bouquins qui vont nous donner des infos pour. Pour qu'ensuite on utilise ça, j'en sais rien, moi, des connaissances. Faut qu'on monte notre skill. Comment cramer un bout de bois? Il va nous falloir des connaissances. Mais non, mais le skill sorcier, je sais pas, faut peut-être le monter. Ah tu ouais, vois. Là, ouais. Effectivement, il va y avoir un truc. Mais écoute, on va faire tous les coins et puis. Mais s'il faut, on a oublié un truc dans la baraque. Il y avait une peut-être. Clé forcément moi, quelque je part. On fera le tour en fait comme ça pour l'instant. Ensuite, on fera le tour un peu moins espacé et ensuite on refera la maison. Sinon, on se sépare. Non. T'es là? Oui. Ok. J'ai eu bon espoir qu'il t'ait mangé. Je suis un peu deck parce qu'il n'y a pas d'animation quand il nous chope celui-là comparé aux autres monstres. Oui, il n'est pas encore fini. Ok, c'est la même chose que d'habitude. Avec des petits chuchotements, tout ça. Et peut-être qu'il peut pas me choper si je suis là-haut. C'est le Bigfoot. Ouais, il a l'air d'être très grand. C'est pas le Bigfoot, c'est Wendigo, t'as dit. Ouais, mais le Bigfoot, c'était un peu le même délire. Hein. T'enjambais un truc, t'étais en mode il passe pas, il rentrait dans la caravane, hein, rien à me foutre. Oui, c'est vrai que. Non, j'avais l'impression que ça allait plus loin. Enfin, je pense que là, je vais vraiment à l'extrémité, je pense pas qu'il y ait des trucs là, mais au moins, c'est le truc le plus chiant à couvrir, je pense, au début. Après, faut peut-être suivre des sentiers, tu vois, qu'il y a déjà. Mais bon, déjà. On procède par élimination. Parce que tout ça, c'est labyrinthe autour de nous. En fait, on est à l'intérieur du labyrinthe, j'ai l'impression. Là. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Ouais, bah c'est il y a un truc à gauche. Journée. Bah, tu vois, on a trouvé un truc là. Regarde, une chapelle. Ou ouais. Une crypte, plutôt. Qu'est-ce que c'est? Oui, plus une crypte, hein, parce que la chapelle, elle donne pas envie d'y aller. Hein. Oui, c'est plus une crypte. C'est quoi? Je sens qu'il y a même un truc dans la crypte. On nous attend partout. Regarde, c'est trop beau. C'est rouge. Bah si c'est rouge, c'est qu'on peut pas passer. Hein. Non, mais il va falloir péter les trucs. Regarde. Mais il va falloir péter les trucs, je pense. Tu retiens? Ici, on oui. A un V. Ah, un mais on triangle. L'a vu, je suis en plus. Triangle c'est vers les signes le bas. Qu'on a vu. C'est les signes qu'on a vus en violet tout à l'heure, non? Oui, je pense. Je le sens alors, mal. Alors, Yaki. Swiftor. Zach. Dankowix. Oh là 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 là, mais pourquoi on fait ça? Toujours des de idées de cons. Attends, c'est qui que tu traites de con là? Des idées de con. Toujours des idées de con. Ouais, et donc qui a eu l'idée? Mais justement, pourquoi tu m'as dit d'aller sur le jeu? Ah, c'est toi. 200 balles, c'est pas assez payé hein, pour ce jeu, je te le dis. Hein. Non, non, mais c'est moi qui ai dit ça, mais à chaque fois, je suis en mode, mais pourquoi j'ai des idées aussi cons? Non mais là il faudrait retourner quand on aura pété les, je pense, les morceaux de bois là. Quand on aura une pelle pour déterrer. Oui, je pense hein. Regarde, tu vois, il a des symboles. Oh, c'est mais vrai. Attends, si on éteint les lumières, ça brille. T'as vu? Ça fait comme la statue. La statue qui avait les symboles sur le torse là lors du chapitre. Il va nous falloir une clé. Hein. Ouais, il y a les clés de la maison, on va sûrement trouver des trucs. Mais... Là, c'est bien parce que. Enfin, c'est bien. Ça change totalement du coup de ce qu'on faisait sur le labyrinthe. Pour le moment, on sait pas trop où on va là. Bah là, on est en urbex. C'est pas trop. C'est pas trop vers quoi on se tourne en fait là. Après, il y aurait un guide aussi, ça aiderait quoi. En plus, ça me paraît pas si grand que ça. Et pourtant, on croise pas trop le Wendigo, qui est très grand et qui va très vite. Donc c'est que ça doit être plus grand que j'imagine, surtout que on tourne beaucoup et immédiatement on tombe sur des spots différents, donc en fait ça doit être vraiment grand. Okay, je le savais, je le savais. Quand t'as dit ça, j'étais en mode... En fait, il a un pattern bien précis. Hein. Et là, il remonte la colline.
putain. Viens. Viens au feu. Tout de suite. Pourquoi? Bah il est là. Où ça? En fait, il remonte derrière toi là, tu vois la colline? Il la remonte, il la descend. Il la remonte, il la descend. Regarde, il est à côté, il est sur la gauche, là il va remonter la colline. Il est où? Derrière toi. Il va monter la colline, regarde là, il la monte. À ta gauche. Tu le vois pas monter? Ah là, je le vois à gauche. Oui, il était derrière, il monte. Oh, j'étais en train de pleurer. Hein. Ah ouais? Oui, j'étais ça là. Va mieux maintenant. Il y a quelqu'un? On aurait dû attendre. Ok, on était vraiment pas loin de la maison en fait. Ouais, donc ça c'est la maison okay, de tout à l'heure. Alors est-ce qu'on a oublié quelque chose, tu penses? Pour moi, il y a un truc qu'on n'a pas vu. Hein. Tous ces cadres là. Mais même tout ça de pouvoir l'ouvrir, c'est bizarre qu'on ait rien vu dedans en fait. Mais est-ce qu'il y a pas un ordre avec les poignées? Tu sais, moi. Tu sais que c'est pas bête ce que tu dis. Là, il y a deux plats. Là, il y a un plat, par exemple. Il y a des gobelets. On va peut-être avoir une indication. C'était peut-être pas bête, mais je sais pas. Ouais, du coup, peut-être que ça va vraiment déverrouiller un truc. Est-ce hein. qu'il y a pas un truc où tu fais 1, 2, 3, enfin du plus petit au plus grand? Ah, mais attends, lui tout à l'heure on pouvait l'ouvrir? Je crois que tout à l'heure on avait pas réussi, non? Ah, on n'y arrivait pas tout à l'heure, on pouvait pas l'ouvrir. Il y a une clé. Oh, yes. Il y avait une clé là, mais tout à l'heure je suis sûr que je suis venu là et que j'étais en mode tiens, mais je peux pas l'ouvrir. Bah voilà. Voilà. Bon bah déjà on a une clé pour l'une des portes. C'est toi qui as allumé? Non, tu dois être le Wendigo. Ça c'est pas bon signe ça. Ça s'active. Non mais la maison est hantée hein, y a pas que le Wendigo hein. Je sais pas si t'as compris mais je crois qu'on est pas seul. Mais bien sûr j'ai compris qu'on était pas seul, on est dans une mer de noir. Tais-toi la musique, ta gueule. C'est tellement vénère dessus. Ah tu m'as entendu, j'ai cru que j'avais pas. Bon, bah ça doit être la clé pour là-haut. Hein. Ou alors il faut peut-être que j'utilise la clé, il faut peut-être que je la prenne en main. On va faire comme d'habitude, hein, je le sens. On va libérer quelque chose. Ah, là ça marche. Coucou, c'est nous. Bonsoir. Oh, tout ce qui est. Mais déjà, toutes les portes et tout là. Loquet. Ouvert. Alors. Les toilettes alors. Eh ben dis donc. Rah, je me vois même pas dans le miroir. Ce jeu est nul. Oh, y a un truc là. C'est quoi sur les vieux qu'on. L'évier, il y a une clé. Ah, tu l'as pris? Non, tiens, je te la donne. Je veux non, pas libérer prends, la bête, prends. Moi. Non, mais vas-y, prends. Bah, j'ai pris l'autre, prends. Tu peux te dépêcher parce que là, il y a quelqu'un qui est énervé, d'accord? Mais c'est bon, j'ai pris la clé. Oui, bah, t'as pas entendu le bruit? Ah! Oh non, hé, sans déconner, moi j'en ai marre, je te renvoie 230 personnes, moi j'y vais. De quoi? Mais c'est toi qui as poussé la porte. Mais n'importe quoi, je l'ai pas poussé. Avec tes grosses fesses là, quand tu t'es retourné là. C'est pas parce que je mange des fraises avec beaucoup de chantilly que t'es obligé de critiquer, hein. Ah bonjour vous. Arrête, qu'est-ce qu'il y a? Toi d'abord. Pourquoi tu dis ça? Ah non, moi j'y vais pas. Pourquoi tu? Mais toi d'abord. Mais moi j'ai déjà vu, c'est à toi d'aller voir. Non, j'y vais pas. Mais pourquoi tu vas dans la baignoire? Il a fini pareil, Clo-Clo. Hein. Il y avait vraiment un truc? Mais non, il y a rien. Je rigole. Allez viens. Mais c'est toi qui as la clé, genre c'est pas moi de passer devant en fait. Tu sais, un jour va falloir que là, tu prennes une... ton envoi là. Mais avec toi je le prendrai, c'est tout. Oh, ah, y a une clé. Vas-y. Est-ce que tu dois l'équiper dans ta main ou pas du tout? Pantry key, moi j'ai. Non, il y a marqué E sur un cadenas verrouillé, tu sais. Ouais. Ok. Y a quelqu'un d'autre qui fait du bruit, clairement. Mais bien sûr qu'il y a quelqu'un d'autre. Marche. Tu vas ouvrir la clé que t'avais, s'il te plaît? Non, on y va ensemble, je peux pas, moi. Je suis pas bien avec l'angle de vue, là, ça sent la merde. Là, il y a une porte à gauche. Ouais, non. Mais toi, la porte avec ta clé, c'est là, c'est où? Je sais pas c'est quelle porte, comment je vois la porte. Regarde bien toutes les portes hein. Mais ça c'est quoi, on y a été non? Ah non, ça c'est... Bah oui ça c'est le okay. Oh là là. Tac tac, ça on y a été, ça c'est le okay. Là, tu peux pas faire une porte là vraiment, t'en as aucune? Non là je peux pas, ça fait tous locked.
À quoi servent ces clés? En bas alors? Bah en bas il y avait. Ouais, il y a deux portes. Non, mais sans Tu déconner. viens? Mais oui, mais c'est moi qui fais ce bruit là ou quoi? Ouais, c'est toi. Mais t'as pas compris que c'est les portes qui claquent? Non, mais c'est ouf le bruit qu'elles font. T'as l'impression que quelqu'un a mis un coup de pied dedans. Je pense que c'est le but, hein. Vas-y, ouvre celle-là s'il te plaît, c'est sûrement ta clé. Lock. Ah, ça sert vraiment à rien. Il y a peut-être une clé pour la crypte. Bah j'avoue que peut-être, hein. Peut-être qu'on a eu des clés pour l'extérieur. Hein. Ouh, je suis pas bien. Il y avait une autre porte ici, je crois. Oh, le son déconne. Ah, moi j'ai la celle-là, regarde. Vas-y, à toi de passer l'honneur. Je t'ai entendu rire. J'ai entendu ton petit rire en mode si 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 si. Je suis pas bien. Ah, ça aurait été trop bien, tu sais que tu rouvres la porte et je suis plus là, t'es genre ah, vraiment été trop mal. J'y fonçais trop tard. Là, une clé. Attends, elle est où? J'ai pris la clé. Là. Ah, tu as pris, ok. Il y avait une clé là. Bah, là, c'est loqué, moi. Ici, c'est loqué. Oh non. Tu peux pas l'ouvrir, toi? Mais moi, j'ai plus de clé, hein. C'est ah, toi qui as c'est plus une. De clé. Une. Bah, ça doit être l'étage. Allez, bah, retourne-y. Non, mais on y va ensemble, moi, j'y vais pas toute seule. Hein. Bon, bah, il veut non, pas qu'il y aille. Je me suis pris la porte dans le nez. J'ai la voulu M5. Y aller, je me suis pris un stop. Non, mais là, je pense que Ors, il y a quelqu'un. Eh, viens. Je pense qu'il y a quelqu'un dans la maison. Et qui veut pas de nous, c'est quand même simple à comprendre. Pourquoi t'avances plus? Pourquoi tu avances pas? Parce que je lisais. Tu peux ouvrir ici ou pas? Non. 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 En fait, tu comptes vraiment pas avancer de toi-même, quoi. Mais, Ors, sur un épisode de 3 heures, je n'ai jamais pu avancer toute seule. C'est bien ce que je te reproche. Bah, j'ai toujours c'est été comme ça. C'est bien pour ça que je vais changer de binôme. Quoi? Ah, je peux ouvrir tout ça? Moi, j'ai pu ouvrir. Ah, toi aussi? Ah, mais on a les mêmes clés, en fait. En fait, je pense que les clés... L'autre les a, en fait. On peut déverrouiller ah, à deux. Ah, bon, bah, c'est bon. Je pense. Donc, re une autre clé, donc maintenant faut aller voir les autres trucs autour. Là en face, il y a une porte. Là, là. Ça, non. Là. Ouais, non, mais je check. Hein. Non, ça doit être celle d'en bas, du coup, allez, viens. Ah oui, c'est que toi, t'as pas le. On n'a pas le son de quand l'eau essaie d'ouvrir la porte, en fait. C'est pour ça que c'est pas. Ah, mais je sais pas d'ouvrir, t'as juste à passer ta souris. Et là, regarde, là, il y a marqué Hop E. Oui. Tu peux arrêter de sursauter, s'il te plaît? Là, il y a marqué E. Oh, j'ai peur si je veux, d'accord? Non, c'est trop grand. En fait, j'ai cru que c'était un petit couloir, mais c'est. Oh, y a... Non, y a un truc qui est passé devant la fenêtre. Mais ça doit être le Wendigo. Ah, j'ai une clé. Ok. Master bedroom. Donc ça doit être en haut. Putain. Et là en bas, t'as vu qu'il y a marqué E. Là, tu le vois? Ah non, attends. Bah, c'est déjà fait. Ok. Là. Y a quelqu'un? Ah, mais c'est là on s'est fait claquer la porte au nez, non? Ah. Attends, on a une. Oui, on a une clé de toute façon ici, donc ouais, c'est bon. Donc en fait, là, il faut remonter, je pense. Et la boucle sera bouclée. Oui, mais la boucle. Voilà, pas... tout est ouvert. Ouais, bah, tout est ouvert et nous y compris, il va nous ouvrir aussi. Hein. C'est sûr. Alors, Master Bedroom, ça doit être celle-là au fond? Pas du tout. Pas là. Bah, attends, mais on a fait les autres. Ah non, celle-là. Non, mais je suis stressée. Allez. Là. Non, j'ose. Bon, non, mais hey, j'en ai marre de tout faire là, vas-y. Oh, ça va, peu, là, te plains pas, d'accord? Non, t'avances mais oh, j'en ai marre de tout faire, j'en ai marre de tout faire. Tu crois que moi j'en ai pas marre de ma réaction? J'ai tout le temps peur, j'ose pas faire deux pas j'ai devant moi. T'allais là. Dire, tu crois que j'en ai pas marre de rien faire? Ah, mon Dieu. Ah quoi? Il y a quelqu'un enfermé, faut lui ouvrir. Eh oh. Oui. Il y a un monsieur enfermé, le pauvre. Faut, monsieur faut pas crier comme ça. Monsieur. Je pense qu'il doit y avoir une clé là dans le coin, par contre. Là, hein, clé sur le tableau. Ah ben voilà, prends. Ça s'appelle comment? Voilà,
Ça s'appelle Clé du monstre. Ok. Non mais regarde, il est plus là. Non. Ça monte tellement au calme, je vais me faire karma. J'arrive pas à savoir dans un jeu dans un film d'horreur qui survivra entre nous deux. Moi j'ai trop peur, je bouge pas et toi tu traces. Donc je sais pas quel est le meilleur bail. Et moi j'ouvre la porte, je passe la porte en même temps. Donc s'il y a un truc derrière, clairement je suis collé à lui. Hein. Même je le pousse pour passer. Alors s'il te plaît, respecte-moi, je dois passer, je dois y aller. Et là ça s'ouvre. Donc là ça renvoie ici. Il y avait une porte à ma droite. Okay. Ouais, je sais. Je sais, je sais. Dans mon chat, on me dit que tu fais peur aux gens à force de sursauter. Mais ça, c'est connu. Ils n'ont hein. pas peur du jeu, ils ont peur de toi en fait. Oh bah alors ça, c'est connu. Je l'ai entendu plein de fois, les gars. Je le sais. Bon, par contre, je veux pas être méchant, mais là, on a ouvert plein de portes. Ça a servi à. La porte d'en face, on l'avait ouverte. Il nous manque une dernière porte à ouvrir. C'est elle qui détient le secret, c'est ça? Les livres. Regarde les livres. Regarde comme je suis forte. Regarde ça. Le livre. Oh. Non mais. Alors ça nous a donné quoi le livre par contre? Un passage secret j'imagine? La cheminée! C'est toujours comme ça dans les films! La cheminée! Vas-y vas-y c'est pas bête hein. S'il faut ça va nous donner dans la... On va aller dans la crypte. Vas-y pas. Go redescendre là. Par contre, bah, vu qu'on a bientôt fini toutes les pièces, il va vraiment se passer un truc de ouf bientôt. Ouais, vas-y. Allez, vas-y, je vais se passer devant parce que sinon, ce sera moins fun. Pense au clip. Je regarde mes pieds. Je suis pas dans la bonne pièce, c'est dans la chambre. C'est l'autre côté. C'est là? Oui. Je regarde mes pieds, hein, je regarde pas. Bah, tu devrais regarder ce qui est en face de toi. Hein. Allez, avance. Pourquoi la musique elle s'accélère? T'inquiète, c'est ok. Ça c'est pour jouer avec tes nerfs, c'est pour accélérer inconsciemment les battements de ton cœur, pour te mettre un peu de pression. C'est une technique ancestrale de jeu d'horreur, t'inquiète. C'est pas ici je crois. Non. Qu'est-ce qu'on a fait alors? Qu'est-ce que t'as fait avec ton truc? Est-ce qu'on a check la dernière porte seulement? Ça se trouve ça l'a juste... Peut-être, je sais pas. On y va? Et si je coupe le son du jeu, ça peut me faire moins peur. Tu fais ce que tu veux, hein. Je sais même plus laquelle c'était où on n'a pas été au final. Ah mais c'est ça? Bah c'est ça qu'on a fait, regarde. On a fait tomber ici l'escalier. Oh, ouais. Ce qui veut dire qu'en fait faut repasser par une pièce. Non c'est là. Oui faut aller... passer par là, viens. Ouais, pour aller à l'autre bout. Et pour remonter là. Du coup. D'accord. Et là on monte. Tada. Oh. Bien joué ça. Oh, allez vas-y, non. Après toi. Je regarde mes pieds. Objectif. J'ai peur, Ors. J'ai peur. Et tu veux pas me dire plutôt quand tu n'as pas peur? Mais ça n'arrivera jamais. Mais c'est pour ça. J'entendrai moins. Oh, regarde les trucs là en face. À la visage là. Attends, on fouille avant. Eh, ça va? Eh oh, le drap, ah, ça va? Il est tombé le drap. Là, il y a le livre pour expliquer comment on pète tout. Oh, j'ai récupéré un truc. Moi aussi. Un bout de bois là. Ah, le livre. Il y a les logos. Il y a les logos qu'on a vus aussi. Oui, tu peux le lire, vas-y. Bah, je pense qu'on va. Ah, on peut lire carrément, ok. Ouais, c'est vrai que ça peut aider. Ouais. Alors, I will need 3 effigies. Donc, en gros, j'ai besoin de 3 effigies faites dans le bois. Quelle angoisse. Pour créer un ex for the crypt. Pour créer, en gros, pour ouvrir la crypte, ça on l'avait compris. Je peux les détruire. Ok, donc c'est ça, faut aller les détruire, c'est ce qu'on voulait faire en fait. Hein. En fait, pas besoin en soi de ces vivre. Ces effigies hein. sont dans la forêt quelque part. Ok. Ah, par contre, attends, à la fin, j'ai crafté La musique. J'ai crafté. Attends, s'il te plaît, je lis. J'ai crafté une dague de cérémonie, en fait, de cérémonie, genre.
pour aller au rituel final. Et je peux l'utiliser pour casser le sceau. C'est parfait. Genre pour rompre le sceau. Donc ça, ça va être une dernière étape par contre qu'on n'avait pas encore vue. La musique s'est arrêtée. T'es où ? Alors je suis là, moi j'ai qu'une chose à dire. La musique s'est arrêtée. Ah bah voilà, tu vois, ça va mieux. Dans les films d'horreur, quand la musique elle s'arrête, c'est là où il y a le drama qui commence. Hein. Ouais, bah... Du coup, faut retourner dans la forêt et aller brûler tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Allez, let's go. On speedrun ? Ouais. Allez. Eh, il faut pas que je stresse comme ça. Laura, c'est qu'un jeu vidéo. Ce n'est qu'un jeu vidéo. Si ça crie là, mettons, imagine la meuf, il y a un énorme truc qui te crie dessus là. C'est rien, meuf. C'est... Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu t'arrêtes ? Ouais, non. Ouais, je sais plus. Je sais pas, je sais plus où c'est. Tu te souviens où il y en avait, toi, ou pas ? À droite. Vas-y, je te follow alors. Cours, cours, cours. Il va pas me follow ? Ah, si, il me follow. Voilà, c'est voilà. Je dis, c'est je... Oh, je dis juste une chose. J'ai tenté de prendre une initiative. Tenté. Et quand on rentre, il y a les portes qui se referment de à l'intérieur, tu sais, en mode non mais quittez cette maison. Vous n'êtes pas les bienvenus. Donc il est juste là. On y retourne. Oui, mais moi je veux plus prendre d'initiative. Mais c'est juste que moi je sais pas où c'est. Alors moi je vais bien aller devant, mais je sais pas où c'est. Oui, bah à droite, à droite. Et du coup, tu lui as jeté un glow stick dans les pattes ? Est-ce que ça a non, marché ? Non, j'ai rien jeté du tout. Qu'est-ce que j'ai jeté un glow stick ? C'est vrai cette histoire ? C'est peut-être moi qui l'ai jeté du coup. Parce que c'était vraiment par accident alors dans ce cas-là. Et après, c'était au fond là. Là où je regarde là, c'était. T'es sûr de toi ? Derrière toi ! Il est derrière. Oui, je suis sûr. Pourquoi il me tourne autour ? Monsieur, bonsoir les Wendigo, Wendy. Vous allez bien ? Go go. En fait, il me fait peur. Vous n'aimez pas le. J'ai essayé de l'attirer vers le feu pour voir. Il va brûler. Ah bah super, maintenant il va mongoliser ici. Voilà. En fait, dès qu'il part comme là, il faut y aller. Vas-y, je te follow. Mais je sais pas où. Dès qu'il se retourne, même, il faut y aller. Hein. Là bah, non, go 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 go, fonce 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 fonce. Allez, allez go. Cours. Je cours. Cours. Putain, je sais pas où on est. C'est bon, je l'ai. Crame vite cette bien saloperie. Ouais, ça. Allez, c'est bon, c'est fait. Go go go, on enchaîne. On allez, va go, où go, go. Putain. Je bah, sais... Allez, au prochain. C'est ta map, hein. Tu connais, hein. Putain, mais je fais des sursauts, je vais crever d'un arrêt cardiaque, moi, avec ces conneries. Y a rien. Tiens. Y a rien. Y a rien. It's okay. Don't panic. Or, c'était là ? C'est un enfer, hein. Coucou Yoda, quand tu vas ? Nobs nous a montré l'objectif. Il nous en reste plus qu'un à trouver. Le problème, c'est qu'il faut le trouver, quoi. Putain. Eh, j'enlève le casque, hein. Je peux pas, moi. Je fais dans mon pantalon, moi. C'est ça le problème avec moi. Ah, pas grand chose, hein. Il faut suivre les trucs roses. Ah. Ok. Tu vas y arriver, mais je vais y arriver, hein. En fait, le problème, c'est que je flippe trop, putain. Fais peur, ah bah tiens, elle reste pas en face de moi, en plus. C'est ah, parfait. Putain, yes. Tu viens de mourir ? Ouais. J'ai couru dans toute la forêt, partout, en cherchant. Alors, et en moi j'ai fait des trucs trop bien. Ouais. Moi, j'ai... Alors, j'ai brûlé une autre effigie. Il n'en manque plus qu'une. T'en as pas eu, j'imagine. J'en ai pas eu pour le moment. Il y en a une, là, je la cherche en boucle. Donc, il manque plus qu'une effigie. Et regarde ce que j'ai fait. Alors, je sais pas si tu les vois ou pas, mes trucs roses. Moi, je les vois, les sticks. Alors, j'ai mis des glow sticks roses qui relient cette maison à l'autre maison et à la crypte. Donc il y a juste à suivre les trucs roses et on a l'autre maison et la crypte. On a les deux trucs importants. Ah, ok. Ça c'est le rose. D'accord. Voilà, enfin moi tu sais je bossais, hein, je faisais des tracés, tout ça. Ah enfin, je t'en prie pendant que moi je suis en train de paniquer dans la forêt. Bah du coup je crois que le Wendigo était full sur toi. Hein. Full sur donc, moi. Pendant ce temps là.
Tu sais comment j'ai fait? Je faisais des trucs bien. Attends, tu sais que j'ai... Comment t'as fait quoi? J'ai... Bah t'es morte. J'ai follow... Non mais arrête, j'étais sans toi, j'aurais pu ne pas... Tu sais comment j'ai fait? Bah ouais, t'es morte quoi. Par contre, ça pop pile au bon moment en face de moi, c'était trop cool. Ah ouais? Donc maintenant, faut juste trouver la dernière... Et... Si tu pouvais venir dans la maison... Est-ce que je peux le brain ou pas? Oh, je l'ai brain. Bah c'est beau ça. Eh, tu m'entorses. Putain, c'est pas un bon bail ce que je fais. Par contre il est vers ici hein. Si, un truc que je voulais te dire avant et j'avoue j'ai oublié ce que c'est. Bah... Ah bah tiens, il est là le truc. Ah bah voilà, c'est Ta-da. Parfait. Allez, c'est bon, on a fini, let's go. Ah oui, je sais ce que je voulais dire. C'est que les symboles sur la crypte ont disparu, les deux que j'avais enlevés. Je sais, ouais, j'avais vu. Cours entre eux. Ok, donc du coup, c'est l'autre côté, allez go, on y va. On y va, on y va, on y va, on y va. Allez, 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 allez. Il est où le rythme cardiaque? Y'a plus qu'à suivre les trucs violets. Je l'ai enlevé, là. Oh là là. Je l'ai enlevé. Mais parfois, qu'est-ce que j'aime mes idées. Ah oui, par contre, là, je crois que je m'étais un peu perdu. Ouais, ça doit être celle-là, je crois. Ok, donc là il y a deux chemins, ça doit être la maison, ah, et ça à gauche ça doit être la crypte, ouais. Et voilà. Oh là là, je me sens tellement bien là. Petit chemin là. Je m'auto-flatte. Je te laisse gonfler un peu. T'es là, binôme? Ouais, je te laisse gonfler un peu. Ah ok, ok. Vas-y, je continue alors. Incroyable ce T'en chemin. T'en as rien à foutre, n'empêche, je t'ai expliqué que j'ai écumé toute la forêt une partie. Tu me dis même pas comment t'as fait, rien du tout, alors que normalement je bouge pas de base. Bah, je sais pas. J'ai tenté final, de te le dire et puis. Mais... T'as trouvé combien d'objectifs? Oh. Non, mais GG, c'est okay. Bien, c'est bien. Franchement, je te félicite. Tu sais que je suis fier de toi en vrai. Mais j'avais dit que ça allait mieux se passer aujourd'hui pour toi parce que forcément t'as moins peur ici. T'as moins peur parce que c'est un Wendigo, tout ça. Ouais. Allez, on y j'avais va quand même peur. Hein. Là, ça pue la merde, la crypte, une fois de plus. Ah.